bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous Annie Lemoine, Elsa Fayer, Arnaud Gidois, Valérie Mérès, Stevie Boulet et Jean Benguigui. Des téléspectateurs nous ont téléphoné pendant la pub, hein, il faut bien dire, et ils nous ont signalé que vos bottes étaient à l'envers, paraît-il. Non, elles ne sont pas à l'envers. Mais si, elles sont à l'envers. Montre-nous ça. Mais... Ah, t'as les pieds c'est parce que je ne les ai pas attachées, en fait. Voilà, bah, j'ai les attachées devant vous, et ça se met sur le côté. Je trouve voilà, qu'ils ressemblent à Fernandel dans Les Rois du Sport. C'est vrai, oui. Annie Lemoine, vous allez bien? Oui, très bien, je vous remercie. Je vois ça. Valérie Mérès, elle attend Cannes. Oui. Ah, on y sera dès lundi, hein, attention, hein. On laisse les autres se démerder avec les intermittents jusqu'à lundi. Et nous, on arrive lundi. Hein. Il me semble que vous avez repris un petit peu, genre. Non, j'ai pas repris du tout. Oh, la balance, non, j'ai pas repris du tout. J'ai changé de fond de teint. Ah. Non, il est magnifique. Elsa, elle part demain soir pour la Turquie. Je suis ravie. Hein? Vous me rejoignez vendredi, tout voilà, va bien. Vous êtes éclaireuse. Une nuit sans moi, comment allez-vous faire? Ça va être très dur. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pris une petite poupée gonflable, des trucs sympas. J'ai tout dans ma valise, ne vous inquiétez pas. Attention, Laurent, attention. Ça existe, hein? Il y a des Laurent Ruquier gonflants. Pas gonflables. Il est temps de passer à la photo du jour, et cette photo, c'est celle des intermittents du spectacle, justement, qui ce soir ont été autorisés à monter les marches du Palais des Festivals à Cannes. Ce qui va être amusant, c'est de voir les réactions des badauds derrière les barrières, comme toujours, surtout quand ils vont reconnaître, regardez, celle qui a présenté le 20h il y a quelques mois sur France 2. Oh, regarde, c'est celle qui a présenté le 20h. Oh, regardez cela, c'est ceux qu'on a vus à la Starac. Et oui, les vedettes à Cannes, ce sont ceux qui passent régulièrement à la télévision. Jean. Vous savez que chaque année, depuis 57 ans, cette année, il n'y a que des intermittents qui montent les marches. Tous les acteurs sont des intermittents. Bien sûr. C'est pas nouveau. Oui, enfin, il y en a qui ont monté les marches à Cannes, qui étaient des intermittents il y a 5 ans, qui étaient des stars il y a 5 ans et qu'on a oublié aujourd'hui, aussi, je vais vous dire. C'est l'intermittence. C'est ça, justement ça, la définition ça. De ce métier. On est d'accord, Valérie? Eh bien, bien sûr, ça va, ça vient. Ça monte, ça descend. Ça va, à gauche, à droite. Oui, ma bonne dame. C'est... Il y a une autre photo d'ailleurs, c'est celle des commerçants de Cannes qui ont manifesté hier dans les rues cannoises pour soutenir le festival face aux dangereuses menaces des intermittents. Un joli défilé, hein, regardez. Il manquait plus qu'une effigie de Jeanne d'Arc au milieu, on se serait cru un 1er mai. Hein. Le mieux, franchement... Bravo, Laurent. Non. Ouais. Le mieux, c'est la banderole. Regardez bien la deuxième banderole. Vive le travail. Ça, c'est... Alors là, dans le genre festival de cons, c'est réussi. Hein. Ça, c'est très bien. Ouais. Allez, une autre photo, on change de sujet. Une photo de François Hollande et Dominique Strauss-Kahn qui ont dit oui, c'est le premier mariage gay du Parti Socialiste. Il faut dire que François Hollande, il faut qu'il s'y fasse. Si Ségolène Royal devient un jour présidente de la République, c'est lui qui sera la première dame de France. Alors, il s'entraîne. À droite, on est plutôt contre le mariage homosexuel, surtout Jean-Pierre Raffarin qui cherche encore qui est-ce qui lui a fait un enfant dans le dos. Alors ça y est, hein, le débat est lancé. Ça y est. Pas facile hein, pour l'instant. Moi, je préfère écouter un peu les arguments des uns et des autres pour me fixer. Pas vous, Annie? Bah, j'ai peur que le PS ait dit oui au mariage homosexuel parce que les autres disent non, donc, ouais, pour de mauvaises raisons. Quand on voit les hommes politiques, on se dit qu'ils sont un peu des intermittents. Hein. Ça va, ça vient. Vous allez nous le faire sur tous les sujets. Oui, oui. Elle a eu une idée. J'ai eu une idée par émission. Jean, moi je crois pas que ça soit, comme tu dis Annie, que c'est par rapport à la droite que ça se passe, c'est entre eux. Oui, parce comme Strauss-Kahn a parlé le premier, Fabius avait dit, mais moi je l'avais dit avant, Bertrand Delanoë a une extrêmement grande réserve là-dessus, les a laissés se battre entre eux. Et puis je crois que le premier mariage aura lieu dans la mairie de Noël Mamère, je crois, ouais, que c'est ça, donc voilà. Il ne veut pas laisser non plus. Non. Le premier mariage homosexuel sera retransmis sur TF1. Une ferme a déjà été louée pour la cérémonie. Ah, mais Vincent McDoum et Pascal Olmeta n'ont pas encore choisi leur témoin. Il reste, il faut le dire... Il reste pour l'instant le premier mariage gay possible en France. Olmeta et Vincent McDoum, ils hésitent comme témoins pour l'instant entre une biquette et un veau ou Daniel Gilbert et Maxime. Bon. Oh.
Alors, à propos de Daniel Gilbert, on a aussi Gala qui ressort cette semaine une photo de la fermière, regardez, à l'époque où elle posait pour des magazines cochons. Elle était déjà un peu fermière. S'ils reçoivent Gala à 10 ans, à sa place, je ne remettrai pas les pieds tout de suite dans la porcherie. Ça va. Vous l'aviez jamais vu comme ça. Pour revenir à l'émission de la chaîne d'en face, grâce au succès de La Ferme, on murmure en tout cas qu'un jour, Christophe de Chavannes pourrait refaire de la télévision. En attendant, le télégramme de Brest montrait cette semaine une photo, regardée d'une création d'un inventeur breton qui a trop regardé TF1, le premier sabot à talons aiguilles. Alors, Stevie, c'est pour toi, Stevie. Stevie, tu as fait. Fallait quand même une pensée, hein, le premier sabot à talons aiguilles. Moi, je dis, c'est pas des sabots à talons aiguilles qu'on devrait leur donner aux people de la ferme. Même avec des échasses, ils auraient du mal à être au-dessus de la merde. C'est marrant quand même comme idée, non? Ouais, mais la tongue à talons existe déjà, d'ailleurs c'est affreux, mais ça existe. Normal, t'es grande, toi. Moi j'adore les trucs hyper avec des hauts talons, un peu compensés. On se sent tout de suite mieux. Bah, pour vous, c'est bien des talons compensés, ça fait déjà ça. Je m'excuse sur les talons. T'as compris? Ah oui, j'ai compris, merci. C'est bon! Non, mais des fois, tu comprends pas, là. Oui, mais tu m'aides, généralement. Mais je suis vachement contente parce que quand il y a Elsa, je me repose. Une autre photo, celle de Nicolas Sarkozy, qui hier s'est rendu dans une agence EDF pour parler du projet de loi de réforme de l'entreprise d'électricité. Et c'est marrant, regardez, maintenant, pour avoir sa photo dans le journal, Sarko, il se déguise. Mais il faut qu'on lui dise qu'on le reconnaît quand même. Une autre photo, celle du parcours de la flamme olympique qui va passer dans la capitale le 25 juin prochain. Ça vous intéresse, ça, Stevie? Ouais. Peut-être qu'ils vont vous contacter parce que plusieurs personnalités vont se relayer pour porter le flambeau dans la capitale tout au long de ce parcours. Et alors, quand on voit le parcours, on se dit qu'ils ont intérêt à mettre le GPS sur la torche parce qu'ils vont se paumer, les mecs. Hein. C'est incroyable. Patrick Bruel va faire partie des personnalités qui vont porter la flamme olympique. Nikos aussi. Et Massimo Gardia va porter la flamme olympique du 5 au 5 bis boulevard de Strasbourg. Une autre photo. D'ailleurs, il n'y a pas de photo. Regardez, c'est juste un titre parce qu'il n'y a pas de preuve pour illustrer ce titre du Parisien. C'est les évident. Femmes conduisent c'est mieux. Évident. C'est une. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est normal. Attendez, vous n'avez pas lu la totalité de l'article. En fait, c'est une enquête qui a été effectuée à Londres et qui confirme qu'en Angleterre, les femmes ont moins d'accidents de voiture que les hommes. Mais bon, là, c'est logique. Elles ont l'habitude de rouler à gauche et là-bas, c'est normal. Oh. À Paris. En tout cas, quand t'habites Paris, si t'as pas envie qu'on te rentre dans le pare-choc ou des trucs comme ça, t'as qu'à aller habiter sur une île déserte. Parce que c'est vrai, c'est fait pour ça quand même, les pare-chocs. Et parfois, vous rentrez dans le clignotant qui sont. Et un clignotant, ça va, ça vient. Dans Gala, des photos de Stéphanie de Monaco telles qu'on l'avait jamais vue. C'était lors de la demi-finale de Monaco, l'AS Monaco, hein, le club de football, contre Chelsea. Et regardez, c'est dingue comme elle supporte son équipe. Et maintenant, grâce à ces photos, on connaît le secret de sa ligne à Stéphanie. Regardez, même pendant le match, elle essaie de se faire vomir. C'est formidable. Et pourtant, dans le protocole, il y a bien écrit « Une princesse ne doit jamais manger devant des caméras et ne jamais mettre ses doigts dans la bouche en public. » C'est pas vrai. Ben oui. Le nez, on peut. Ouais. Le nez. Le nez, on a le droit. Non, ni le nez. Ah bon? Une princesse ne met ses doigts nulle part. Sauf dans ses gants. Moins joyeux hier soir, les supporters du Paris Saint-Germain qui ont subi un cinglant 3-0 en déplacement à Bordeaux. Deux pénaltys ratés à Nice, hein, et un naufrage collectif, a dit le capitaine Frédéric Dehu. Il faut dire que les Parisiens, on l'a vu, se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux allait rater le pénalty. Et à chaque fois, ils ont fait le bon choix, le pire. Comme punition... On va dire, comme punition, leur entraîneur, M. Vahid Halilhodžić, leur a imposé « Vous me copierez 100 fois mon nom ».
Corneille, pas le chanteur, hein, je le dis aux jeunes, l'auteur. Corneille a-t-il été le nègre de Molière? C'est la question que s'est posée le romancier Denis Boissier dans son livre « L'affaire Molière » paru au mois de mars dernier chez Jean-Cyril Godefroy. Il n'a pas seulement posé la question, Denis Boissier, il y a répondu aussi, car pour lui, c'est une évidence, Molière n'en fichait pas une rame, c'est Pierre Corneille qui se tapait tout le boileau et qui était donc le véritable auteur de Tartuffe, Don Juan, les précieuses ridicules, je vous en passe, l'avare. Bref, Molière avait un nègre, il n'aurait rien écrit, ce qui est quand même moins pire finalement qu'Agatha Christie, qu'elle en avait 10 petits nègres. Pour tester ensemble cette affaire, un livre à polémique, accueillons son auteur, Denis Boissier. Bonjour. 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 Alors, je sais pas pendant combien d'années vous avez bossé, préparé ce bouquin. Quatre ans. Qu'ils ont passé très très vite. Alors, quatre ans. Alors, ça veut dire que vous êtes un passionné évidemment par la littérature, un passionné par le théâtre aussi. Oui, bien sûr, je suis dramaturge. Et Molière? Moyennement. Mais Corneille aussi d'ailleurs, c'était pas forcément moi. Vous n'aimez pas Molière au départ, ça c'est intéressant à savoir. Non, je n'avais pas de préjugés. Molière était un auteur classique que j'avais étudié comme à peu près tout le monde, j'imagine ici. Corneille aussi. Bon, les deux étaient lointains pour moi, j'en voyais pas vraiment l'intérêt, donc je me consacrais plutôt aux auteurs du XXe siècle. Et puis un beau jour, j'ai découvert Pierre-Louise, qui vivait au début de ce siècle, et ce poète de génie avait découvert, le premier, que Corneille était le nègre de Molière. Bon, je le lis comme tout le monde, je me dis, tiens, c'est curieux comme idée, pourquoi pas. Et les années passent et je découvre après, en lisant bien Pierre-Louise, que finalement, ce n'était pas forcément une idée folle et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de Molière. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun doute là-dessus, vous êtes sûr de votre coup? Ben, après 4 années de recherche, 600 pages de notes et de citations, je vous avouerai que non. Aucun doute non, pour non, vous, ouais. Il n'a rien écrit du tout. Vous savez... D'abord, Molière n'existe pas. Il faut quand même passer au départ sur ça. C'est Jean-Baptiste Poquelin. Ouais. C'est comme vous et moi. C'est Jean-Baptiste Poquelin. Okay. Attendez. Il est Jean-Baptiste Poquelin. Il ne fait pas d'études. C'est un fils de bourgeois. Il doit, en principe, succéder à son père. Et son but, c'est tapissier. Ça. Tapissier. Et son but, c'est ça. Il rencontre une jeune fille qui a de la poigne, qui est plus mature que lui, qui veut être comédien. Et à ce moment-là, que fait Molière? Par amour pour elle, il devient aussi comédien. Mais attention, ce n'est toujours pas Molière, c'est Poquelin. Vous voyez que moi-même, je commets l'erreur d'appeler Molière. Il va vivre 12 années en tant que Poquelin et on ne le connaît absolument pas. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer Pierre Corneille. Et il joue d'ailleurs des pièces de Corneille. Ah, il adore Corneille, c'est son idole. De toute façon, c'était à peu près l'idole de tout le monde à cette époque-là. Hein. C'était quand même le grand auteur national. Donc Madeleine était folle du théâtre de Corneille, il rêvait de jouer du Corneille. Donc ils vont le voir, il lui dit... Donnez-nous vos nouvelles pièces. Évidemment, Pierre Corneille qui voit cette troupe de débutants de province, hein, parce qu'ils n'ont joué qu'à province. Bon, les accueille gentiment, donne à Poquelin son nom de Molière, qui veut dire légitime. Et à ce moment-là, évidemment, une relation se crée. Mais ça ne va pas plus loin. Seulement, les années passent. Poquelin revient un jour, toujours avec l'équipe, et dit, là maintenant, nous sommes prêts, nous voulons ouvrir le Grand Théâtre de Paris et nous voulons jouer vos pièces de théâtre. Évidemment, à cette époque-là, Corneille n'est plus la même gloire. Il n'arrive plus à jouer ses pièces, il ne peut plus jouer de comédie depuis très très longtemps, car c'est l'inventeur de la comédie. Les premières pièces de Molière sont signées Corneille, et ça bien avant que même que Poquelin soit adulte. Et effectivement, il commence sa carrière comme étant le représentant officiel du théâtre de Corneille. Malheureusement, c'est là le drame de Poquelin, c'est qu'en tant que comédien, il est très 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 mauvais dans la tragédie. Par contre, c'est un comédien adorable. Ce qui fait que Corneille s'aperçoit que ça ne va pas se passer aussi bien que ce qu'il avait prévu. Le grand théâtre risque de ne jamais s'ouvrir. Donc, il lui dit, tu seras mon prête-nom. Et à ce moment-là, les satires commencent à apparaître. C'est Corneille l'inventeur des satires. Les précieuses ridicules que Poquelin ne connaît pas, il les attaque. Il va attaquer les dévots, alors que c'est Corneille qui les a fréquentés toute sa vie, qui a eu que des problèmes avec eux. Il va attaquer. Et la seconde chance de Poquelin, ou la troisième si l'on veut, après Madeleine, Béjart et Corneille, c'est qu'il va plaire au roi. Louis XIV. Alors tout ça est raconté, démontré dans ce bouquin, l'affaire Molière. Tout le monde n'y croit pas. Bien sûr, évidemment, c'est normal. Mais... Annie, par exemple, je crois que vous n'avez pas été convaincue du tout. Non. Elsa Fayer m'a dit que c'était Paul Lou Sulitzer qui avait écrit votre livre. J'aurais bien voulu. Car la presse aurait été plus gentille envers moi. Écoutez, moi, j'ai lu les deux thèses, j'ai lu votre livre, et puis j'ai écouté aussi ce que disait un monsieur qui a l'air sérieux, qui est professeur à la Sorbonne, Georges Forestier. Oui. Et je balance du côté de monsieur Forestier, et pas de votre côté à vous. Qu'est-ce qui vous fait douter, alors?
vos arguments, par exemple, quand vous dites c'est incroyable, on n'a jamais retrouvé de texte de Molière. Ouais. Bah oui, mais on n'a jamais retrouvé de texte non plus de Corneille, à part quelques lettres. Enfin, à l'époque, à cette époque-là, on détruisait tous les manuscrits. C'était pourquoi Corneille n'a pas dit, c'est moi qui ai fait ça. Alors je vais vous donner un simple exemple qui va suffire, je crois, à vous répondre. Corneille écrit officiellement, car aussi il ne faut pas l'oublier, ça gêne un peu les moliéristes, une pièce qui s'appelle Psyché, et qui a été un grand succès. Or, a été publié après sous le nom de Molière. Et Corneille, qui a publié son théâtre complet, n'a pas eu un instant l'idée, bien évidemment, puisque le contrat a été ainsi établi, de récupérer Psyché. Et quand Corneille a commencé à être le nègre de Richelieu, il n'a pas non plus récupéré les pièces qu'il a écrites. Et le frère de Corneille, qui était très proche de lui, quand Corneille est mort, n'a rien dit non plus, son frère. Mais il y a des choses étranges, vous comprenez. Enfin, moi, c'est une affaire de conviction. Il y a Benjamin Castaldi qui aurait fini par dévoiler le truc. À force, oui. À force, oui. Jean. On va bien trouver quelqu'un qui vous soutient. Oui, parce que c'est étonnant que personne n'essaie quand même de remettre en cause un dogme qui est établi depuis 250 ans. Et c'est d'ailleurs la difficulté que nous avons eue, plusieurs chercheurs et moi, car je ne suis pas le premier. Vous dites que Corneille est un génie schizophrène, parce que s'il a écrit toute l'œuvre de Corneille et toute l'œuvre de Molière... Il n'a pas écrit que la sienne, vous savez qu'il a été le nègre de plusieurs autres auteurs. Oui, il a aidé son frère aussi, Thomas, à faire son œuvre, ce qui est normal. Il travaillait combien d'heures par jour, ce garçon, c'est quand même extraordinaire. Il a écrit tout le répertoire français du 8e siècle, alors, en gros. Si on vous suit, certainement le plus grand travailleur de son temps. Il a aussi écrit des poésies pour le musicien de la reine, et comme par hasard, dès qu'il a. Et le catalogue de la redoute qu'il a rédigé lui-même, on le sait. Autre chose, d'autre part. Laissez terminer, Jean, et je vous laisserai pas. Il y a quand même, moi je trouve, un espèce de mépris pour la comédie, en disant que Corneille, pouvant écrire des tragédies, pouvait. Comme ça, de l'autre main, écrire des comédies populaires jouées par Monsieur de Molière. Ça rime, tiens, c'est mignon. Je me demande même si c'est pas Corneille qui m'a soufflé. J'espère pour vous. Non. Voilà. Et ça, j'aime pas ça du tout. Parce que Molière, c'est la santé. Parce que l'auteur de l'époque, et c'est un acteur qui vous parle. C'est fou, ils aiment un mythe. J'aime pas un mythe, j'aime les pièces de Molière. Oui. Et que ça soit signé par Tartampion. Ah oui, mais voilà, vous en êtes là, Corneille. Qu'importe la signature, pour vous connaître. Ce qui est important, la signature, j'en ai rien à faire. Puisque Tartuffe est là, puisque Don Juan est là. Oui, mais puisque... par qui, quand même, il faudrait remercier. Mais celui j'en ai qui, rien qui à faire. Si ces mots font encore rire aujourd'hui, qu'ils soient signés à Dache, Périquet des Oives, j'en ai rien à faire. Et la vérité, vous en faites quoi de tout ça? Le plaisir, c'est un travail de flic. On l'aurait su bien avant si c'était. C'était vrai. Vous pensez bien que Romain Gary, on l'a su très vite, qu'il était Marcel Achard. Et Marcel Achard était André Roussin, on va mettre la carte. On l'a su parce que c'est notre époque qui veut ça. Mais la leur, justement, avait plus de dignité pour ces choses-là. Non, moi, je pense pas. À l'époque de Molière, personne ne s'occupait de lui. Dès qu'il est mort, pendant 100 ans, on n'a eu aucun essai sur Molière. Par contre, évidemment, sur Corneille et Racine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la Révolution française, on s'est dit, quel va être le grand auteur populaire? Vous en voyez beaucoup? Ben, quelqu'un, tu pensais qu'effectivement, Poquelin, qui avait eu du succès, on ne cherchait pas. C'était des le public suivait facilement. La preuve, c'est que vous continuez 250 ans après à faire pareil. On s'est dit, on va faire de Poquelin un génie. Molière sera donc un génie. À partir de ce moment-là, évidemment... Mais non, monsieur, c'est là où vous êtes spécieux. Attendez, c'est pas de Poquelin qu'on a fait un génie, c'est de Molière. Mais précisément, il n'existe pas, Molière. C'était un farceur. On a inventé pour lui le mot scurilité à son époque, ce qui voulait dire la basse bouffonnerie. Molière, c'est bien quelqu'un. Non. Bah, c'est un acteur. Mais c'est son œuvre. Stevie, c'est rien. C'est un personnage qui passe à la télévision. Bah, moi, je suis obligé de comparer Stevie à une merde. Alors que vous avez votre vie. Vous n'auriez pas dû, justement. Vous avez votre vie. Mais Stevie, ça s'appelle pas Stevie, vous savez. Et Corneille avait la sienne. Je crois que vous n'aimez pas assez le théâtre. Écoutez, moi, parce que quand on aime le théâtre, on prend Molière, Corneille, c'est justement le problème, c'est que vous parlez d'amour, vous essayez pas de parler de vérité. L'amour, vous savez dire, si je vous explique que votre femme vous trompe depuis 30 ans, le premier choc, ça sera quoi? C'est de dire non. Je comprends. Attendez, vous avez l'impression que vous téléphoner. Vous avez l'impression que vous... Avec Corneille, avec Corneille. Vous avez l'impression... Non, vous avez l'impression que Corneille vous trompe. Je vais vérifier. Vous avez l'impression que Corneille vous trompe. Je vais téléphoner. Au revoir. Enfin. Vous avez l'impression que Poquelin vous trompe, mais ce n'est pas du tout le cas. Poquelin gagnait très très bien sa vie grâce à Corneille et grâce à... Vous voulez nous faire plaisir, appelez-le Molière, ça perturbe tout le monde. Poquelin, ça perturbe tout le monde. Oui, mais justement, si je rentre dans votre jeu, vous n'allez pas vous remettre en cause. Mais vous voulez que les autres c'est un pseudonyme. On ne se remettra jamais en cause. Moi, je jouerai plein de fois Molière, je n'ai pas envie de jouer Corneille. Je vous insiste. C'est pas vrai. Non, je ne vais pas attaquer Corneille non plus. Oui. J'ai une révélation, parce que face à un tel déballage, moi aussi, j'ai écrit mon livre Vérité, si on peut le voir. Je suis très fière. L'affaire Corneille. Et oui, Corneille, le chanteur, n'a pas signé un seul de ses textes. C'est Dao. Vous voyez, c'est Dao qui a écrit. Alors, imaginez.
Imaginez, est-ce que ça ne serait pas intéressant de connaître celui qui a écrit? On va vous arrêter parce que je suis en train de bailler aux Molières. Et on va vous remercier. C'est un débat qui est ouvert. Il a le mérite d'être ouvert. C'est chez Jean-Cyril Godefroy, maison d'édition. C'est signé Denis Boissier, l'affaire Molière. Merci, monsieur. Au revoir. Snaibi, Yapi, Riyad, à eux trois, ils forment le groupe Wesh. Et ensemble, ils font du hip-hop, mais dans un genre très particulier, puisque c'est du hip-hop mêlé à de l'humour. Leur spectacle, qui se joue tous les lundis soirs au théâtre Le Mairie, s'appelle Men in Blague. Et c'est un savant mélange de sketch et de chorégraphie parodique issue du hip-hop. C'est nouveau, c'est drôle, il paraît même que dans la police, on apprécie. Nous allons tester ensemble ce show Men in Blague. Pour cela, accueillons les trois rappeurs humoristes, les Wesh. Ah, dis donc, c'est physique, hein? Wow! Vous êtes rencontrés tous les trois sur le parvis du Trocadéro, c'est ça? Trocadéro, c'est ça. Ouais, on s'est rencontrés à travers la danse, en fait. Et on ne se connaissait pas du tout à la base, on vient de milieux différents. Et c'est par rapport à la pratique de la danse hip-hop qu'on s'est rencontrés. Alors, donc, cette danse hip-hop, elle vous a servi évidemment à monter un spectacle, un groupe, un trio. Vous n'avez toujours été que trois ou il y a eu plusieurs? Il y en a qui ont. Il y a eu des morts. Non, on est trois, nous. Trois. Ouais. Snaibi, Yapi et Riyad dans un spectacle qui s'appelle Men in Blague. Qu'a vu Annie Lemoine alors? Tu passes un très bon moment. C'est vraiment bien parce qu'il y a deux choses. D'abord, c'est très physique, c'est vrai, c'est très visuel, mais il y a aussi les mots et il y a beaucoup de poésie, je trouve, quand vous faites la soirée des cafards qui fêtent leur anniversaire mais qui ne peuvent pas rentrer dans la boîte parce que c'est la soirée des mille pattes. Et bien ça, c'est pas racontable, mais c'est formidable. Pareil pour l'épopée du vaisseau spatial en japonais. Il y a plein de bonnes idées. Le mot fille, vous connaissez pas? Ça, c'est sûr. C'est quoi une fille? Il y en a plein. Non, mais c'est bien foutu, c'est vachement bien. Et... Hein, Arnaud? Ouais. Il y avait des cums, max de cums, wesh. T'es éclaté. Wesh. Ah, tu t'es éclaté. Yo, ça va, Noir? Ça veut dire quoi, wesh, d'ailleurs? Bah, wesh, vu qu'on est dans une émission assez intellectuelle, wesh, c'est une interjection, c'est un mot variable qui renseigne sur l'attitude du locuteur. Non, wesh, c'est un mot qu'on peut utiliser à peu près à toutes les sauces pour exprimer différentes choses. On peut l'utiliser pour exprimer un contentement. Oui. Wesh! On peut l'utiliser pour une interrogation, wesh! Tu vois? Et c'est un mot qu'on peut utiliser à peu près à toutes les sauces. Ah, d'accord, on peut mettre wesh à la sauce qu'on veut. Voilà. Ça vous tente, Jean-Benguigui? Vous n'aimeriez pas faire partie de leur. Oui, non, si. Parce que. Si! Justement! Si. On n'a pas un Marcel Blanc! Il aurait fallu prévoir le Marcel Blanc! Allez-y. Bon, ben, on nous avait dit que vous étiez un fan de cyclisme. Oui. Et on voulait vous faire essayer un vélo que vous avez jamais dû essayer. D'accord. Un vélo d'appartement. Okay. Un vélo d'appartement, d'accord. Bon, alors, le vélo. Alors, si on tombe par là, ça se passe ici. Voilà. Donc, je vous montre comment on fait. Voilà, c'est pas ça. Ouais, on se met là. Les pédales. Ouais. Et on pédale. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà, on se met là. Voilà. Ça c'est bon, faut régler la selle ou... Y'a pas de soucis, ça se règle. Il va se péter le dos. Voilà, là, chance, voilà, là, là, là. Et voilà, et on tient derrière. Et on tient derrière. Ouais. Ouais. Allez. Ouais. 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 C'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. C'est pas fini. Un deuxième essai. Allez, en plus beau. Parce qu'on nous avait dit aussi que vous étiez un fan de sport extrême et que vous aimiez l'altitude. Oui. Donc alors... De saut à l'élastique, sans élastique. Ils vont faire un mouvement que vous allez essayer de réaliser. Donc, calmez-vous, c'est pas grave, ça va bien se passer. Viens voir. Donc, on se place comme ça, on lui tient les oreilles. Oui. Bon, on met les mains, là, le pied dans les mains, ouais. Et si on compte jusqu'à 3. Si jamais tu veux changer une ampoule, alors, vas-y, hein, n'hésite pas. Ok. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Oh mon Dieu. Oh, okay. Jean, wesh. Attends, je fais un coup.
Happy et Riyad, un trio manifestement rigolo, physique aussi. Bah, pourquoi vous êtes quatre sur l'affiche, il y en a un qui a posé deux fois. En fait, là, c'est moi, je fais le E et le H parce qu'en fait, j'ai plus de lettres que les autres. Ouais, en fait, il faut redire quand même, c'est vrai que c'est très, très, très impressionnant, quoi. Il faut les voir par terre, etc. Là, on l'a vu, bon, ils font des saltos, lui, c'est le roi du flip-flap, c'est-à-dire qu'il enchaîne plusieurs fois. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont une aisance sur scène qui fout les glandes. Vraiment. Vraiment. Et en étant comédien, etc., ils arrivent les mains dans les poches, les mains dans les fouilles, et vas-y, je te lance des vannes, je les assume, je les prends, ça marche pas, je m'en fous. Et en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une marge de progression qui est assez hallucinante. Et déjà, il y a un public, c'est clair, parce qu'il y a un public qui est de toute ethnie confondue. Il y a des blancs, des beurs, il y a vraiment tout le monde, des petits, des grands, ça va cartonner. Et je crois qu'avec une vraie régulière, on va vraiment entendre vraiment. Ouais, c'était le metteur en scène, je crois que c'est Bud qui vous a aidé un peu à mettre tout ça en place. À la base, il y a eu 2 ans de développement. On a travaillé pendant 2 ans avec nos producteurs qui nous ont. On a fait un travail à huis clos, en fait. Et une fois qu'on avait finalisé notre spectacle, on a fait appel à Bud qui nous a aidés en acting, en fait. Mmh. Et il nous a fait faire précision, un bon. Pardon. Une précision, il faut éviter le premier rang parce que c'est comme à la boxe, il y a des éclaboussures. Valérie, ça vous tente, ouais? Ça me tente vachement. Puis en plus, ils sont bien élevés parce que quand ils sont arrivés au maquillage, ils ont dit bonjour. Et ça, je trouve ça bien. Et vraiment. D'autant qu'avant le maquillage, on ne vous reconnaît pas, il faut quand même le dire. Je l'avais reconnu quand même. J'ai un fils de 10 ans, je peux venir avec? Il y en a beaucoup de 10 ans qui viennent, et qui aiment ça et qui comprennent vraiment tout. Ouais. Stevie Boulet, je ne sais pas si vous savez faire le cheval, parce qu'au cas où vous sauriez faire le cheval. Ah oui, on a un très bon cavalier là. Non, on fait le cheval. Vous savez faire le cheval? Allez, au centre. Allez, Stevie. Attention, c'est toujours lui qui passe, hein. Ah, mais t'es partout. Y a pas de problème. T'es prêt? Tu plies les jambes, comme ça, comme les chevaux. Parce que sinon, tu vas toucher le sol. Les chevaux, s'il te plaît. Merci. Voilà. Allez, monte. Tu veux que je fasse quoi? Dans quel sens? Bah, tu t'assois. Assieds-toi comme une femme. Mets tes fesses. Voilà. Et tu lèves les jambes. Lève les jambes. Lève les jambes. Et c'est parti. Vas-y. C'est excitant. Non, moi je suis plus... Laissez-vous, vous allez vous retrouver dans Voici la dernière nuit de Stevie. C'est malin ça. Bon, moi ça me tente beaucoup, je suis très impressionné par ce que vous avez fait. Et en plus c'est quand même un pari énorme parce que vous avez tout arrêté, parce que je crois qu'il y en a un qui était comptable, l'autre qui travaille dans les bâtiments, etc. Ils ont tout quitté pour vous consacrer à ce projet. Donc c'est quand même une belle histoire puisque maintenant vous êtes là. Quoi. Vous travaillez tous les lundis soirs au mairie, mais alors les autres soirs vous faites quoi? Vous êtes intermittent du spectacle. Ouais, c'est vrai. Nous, les autres soirs, on retourne à notre source, on retourne dans la rue s'entraîner et voilà. Et à la rentrée, je suis sûr que vous aurez une salle tous les soirs. Non, franchement, c'est bien parti pour. Même une blague, 20h30 au théâtre Le Mairie. Wesh! Wesh! On se souvient tous avec émotion des Boys Band. Souvenez-vous, les Boys Band, ces chanteurs très doués en musculation surtout. Et aujourd'hui, les rescapés de ces groupes sont rares, à part peut-être Philippe des To Be Free, qui est maintenant aux côtés de Navarro, et Steven Gunnell, un ancien du groupe Alliage, ce Boys Band qui avait chanté Le Temps qui court ou Baila. Après avoir connu le showbiz, Steven Gunnell a découvert la religion. Il est devenu très croyant, il va à la messe tous les jours et il raconte son histoire dans ce livre sorti le 6 mai aux presses de la Renaissance. Ça s'appelle Sacrifier, des mirages de la gloire aux merveilles de la foi. Comment on peut passer de devant les caméras à l'église? Il va nous raconter dans cette autobiographie. Voici Steven Gunnell. Bonsoir, on avait eu l'occasion de vous recevoir déjà l'année dernière pour votre album In Terra. Vous faisiez enfin les chansons que vous aviez envie de chanter et la musique que vous aviez envie de jouer. C'est ça. Puisque avant il y avait eu cette période des boys band qui vous a fait connaître. Et là, vous racontez justement non seulement ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui tente de faire sa musique, et vous racontez aussi, et ça alors je dois dire que c'est assez édifiant, la période pendant laquelle vous étiez dans ce succès, dans cette folie qu'il y avait
tournait autour des boys bands. Vous avez eu envie de raconter ça, non pas par vengeance, j'imagine. Bien sûr que non, il n'y a aucun mépris, je ne crache pas dans la soupe, je ne méprise pas les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai eu la chance, très jeune et très tôt, de rencontrer un grand producteur, si ce n'est le plus grand, de travailler avec Gérard Louvain, avec l'une des plus grandes maisons de disques. Alors, cette période des boys bands, on va peut-être se la remémorer, même si ça va être dur pour vous à vivre. Mais regardons un extrait de clip à l'époque du groupe Alliage. C'est parti. Et les roses posées dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui, et c'est le temps qui, et c'est le temps qui court. On vous reconnaît à peine. Hein. J'avoue. Moi, On vous reconnaît pas. Oui, c'est ça, voilà. Et c'était un groupe évidemment fabriqué, parce qu'on sait qu'au départ, les uns et les autres, vous ne vous connaissiez pas évidemment, les quatre garçons. Absolument, voilà. Absolument. On était des collègues de bureau, on nous a présentés les uns les autres, on était contents de partager cette aventure. On m'a promis entre guillemets un petit contrat, un petit chèque d'avance, les premiers pas dans ce métier. J'ai dit d'accord, et puis on a été tous surpris, et Louvain le premier d'ailleurs aussi, de cet immense succès, et impossible de faire marche arrière ou d'arrêter la machine. Donc on a avancé jusqu'au bout, et je pense qu'on a été... Enfin moi en tout cas, je l'ai vécu de façon très 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 sincère. J'ai pété un plomb d'un point de vue financier, mais pas d'un point de vue grosse tête, machin, alors, je pense cette partie-là, tiens, je vais me tourner vers Annie Lemoine, on va y venir, c'est-à-dire après le succès, ou même... Encore pendant le succès, on sent que c'est le début de la fin. Et puis après, il y a la résurrection, pour employer des termes religieux, parce qu'on va y venir aussi, Annie. Eh ben, si cette expérience pouvait être transmise, ce serait bien. Ce serait un livre à mettre dans le paquetage de tous les candidats de la Starac ou de la Nouvelle Star, pour voir ce qu'ils risquent de vivre. Il faut savoir ça, quand on est au plus près des projecteurs, qu'on n'a plus conscience de rien, on n'a plus les pieds sur terre, ça arrive, on est grisé, et puis on redescend, c'est parce que brutalement, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, et puis il y a l'alcool, dans votre cas, qui accompagne la redescente, vous y avez pris goût, vous touchez le fond, vous vous en sortez, vous, ça a été par une rencontre avec Dieu, vous dites, vous avez la foi, ça vous a sauvé. J'ai toujours été croyant. C'est la foi, finalement, qui vous a sauvé. Je vais aller plus loin dans votre remarque, je vous remercie, c'est très juste. Par rapport à tous ces enfants, aujourd'hui, tous ces jeunes que l'on voit se jeter un peu dans le vide de la starification facile, on va dire, de la télé-réalité, tout ça. C'est pas tant... C'est pas le fait vraiment que... C'est normal que ces jeunes rêvent, aient envie de se jeter, aient envie de se lancer. C'est pas tant ça, le problème. Le problème, c'est qu'on leur fait signer des contrats, alors qu'ils sont ils sont encore à l'étape d'audition. On leur fait signer des contrats... en leur promettant un peu la lune, on s'émerveille, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Et ils sont liés contractuellement pendant des années, et sans obligation de la part de la maison de disques. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas le droit d'avancer, et ils sont coincés. Mais est-ce que vous n'avez pas eu envie, puisqu'apparemment, aujourd'hui, vous êtes très réaliste sur ce qui vous est arrivé, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, pendant ce phénomène infernal, vous n'êtes pas dit, mais il faut que je me barre, quoi? Mais j'ai pas attendu la fin pour vouloir partir, comme je l'explique à un moment donné. D'ailleurs, même en 98, en plein succès, juste au moment de faire le Casino de Paris, je me rappellerai toute ma vie. Je suis allé voir Louvain et je lui dis « j'arrête ». Et il me fait comprendre, et je peux comprendre, parce que c'est un producteur, c'est sa poule aux œufs d'or, c'est normal. Son produit. C'est son produit, c'est un businessman avant tout. Et il m'a dit « je te conseille pas de me planter maintenant, parce qu'il pourrait t'arriver des difficultés pour la suite ». Bref, il m'a fait comprendre que si je le plantais en plein succès et que je cassais son groupe, ça allait être plus compliqué pour moi. Valérie, vous l'avez lu, le bouquin ? Moi, je l'ai lu. Alors ? J'étais en train de lire La vie d'Elizabeth Taylor quand on m'a dit de lire ça. Alors, je me suis dit, franchement, moi, je suis plus intéressée par Elizabeth Taylor, a priori, au départ, que par vous. Et puis, je me suis dit, je vais le lire. Et au bout de 3 pages, je l'ai lu d'une traite. J'ai été extrêmement touchée. Je trouve en effet que, de toute façon, Annie l'a dit, vous le dites, c'est pas revanchard, c'est hyper, c'est vachement lucide, c'est extrêmement touchant, on se rend compte qu'il y a vraiment des sales cons, hein. Moi je vis dans une bulle. Mais bien sûr, il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire, et c'est pas spécialement ceux d'ailleurs qui ont le pouvoir en général.
Oui, enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il y en a aussi qui ont le pouvoir. Et il y en a qui ont le pouvoir, ils sont très cons aussi, c'est vrai. Voilà, et c'est vrai que c'est vrai. On ne peut pas en vouloir à ceux qui font la Starac, qui ont fait les boys bands au moment des boys bands, de plonger, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la façon dont ces jeunes sont manipulés, tout ça. Moi, je suis bien contente que tout se soit fait avec des hauts et des bas. Ça va, ça va. Voilà. Sacrifié aux presses de la Renaissance. Stevie, allez. Ben, moi, pareil, c'est un peu pareil. J'ai beaucoup aimé. Je me suis intéressé d'autant plus que j'arrive aussi de là et que je sais qu'un jour, peut-être après Laurent, tout s'arrêtera. Donc, même si c'est des moments que j'y réfléchis et tout ça, et puis je me suis quand même posé vachement de questions. C'est pareil, qu'est-ce que je ferais? Je retournerais derrière mon bar à Londres ou je sais pas ce que je ferais. Donc ça m'a posé une multitude de questions, ému. Je me suis dit, mais merde, si Laurent il m'abandonne, mais je suis mal. Quelle responsabilité! On te donne une vie sur les épaules. Non, ça, enfin, écoute, ça... Attaché à un arbre avant l'été. Dans un parking. Dans un parking. Dans un parking. N'abandonnez pas Stevie. Avec vos briquets au pied. Mais non, enfin, beaucoup d'émotions, pareil, je me suis retrouvé... Mais je trouve que vous ne parlez pas suffisamment tous, pardon, parce qu'évidemment, c'est la partie qui peut toucher certains, puis dont d'autres vont avoir envie de se moquer, évidemment, c'est la partie religieuse de l'affaire aussi. Oui, là, c'est le moment où vous dites... Parce que là, évidemment, à chaque fois, on a du mal, comme on a du mal à croire que Bernadette Soubirous a vu la Vierge dans la grotte, vous, vous dites, j'ai vu Jésus, il est venu me voir. Oui, voilà. C'est-à-dire que je crois, et ce, quelle que soit la religion, quelle que soit la situation dans laquelle on est, et, bref, qui que l'on soit, par rapport à nos racines, par rapport à notre baptême, à là où l'on est, je crois qu'à un moment donné dans notre vie, si on prend le temps de se détacher un peu de soi-même, de se laisser regarder par ce Dieu qui est censé être cette colonne d'amour, de compréhension, de sagesse, de paix, de générosité, de bonté. Ce que j'ai vécu. Mais n'avez pas été récupéré par une secte. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des propos. Non, je pense que. Je pose cette question sérieusement parce que c'est des propos qu'on entend souvent, évidemment, dans la bouche de quelqu'un qui. Voilà, c'est pour ça que je pose. Je dis Jésus, c'est donc à l'église Sainte Rita, si j'ai bien suivi le livre, et c'était le père Alain. C'est lui, c'est en lui que vous voyez Jésus. Non, pas tout à fait. Vous avez pas vu. Vous le dites effectivement que vous avez vu Jésus, mais je pense à imaginer. C'est imagé, quoi. C'est vous. Bien sûr, vous c'est dans entendu. Le cœur. Tout s'est passé dans le cœur. Il y avait marqué Glenn derrière. On voit bien que vous n'êtes pas intégriste. Je pense pas. Vous avez un t-shirt sexe. Alors, par exemple, j'imagine qu'à l'église, c'est pas forcément. Écoutez, moi, je connais des prêtres qui ont mon âge, qui sont très sympas, qui rigolent. non, qui sont très. Qui draguent. Mais il n'y a pas de. N'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas barré, je ne vais pas m'enfermer au séminaire, quand bien même j'y ai songé à un moment donné. Je pense que chacun a son appel, chacun a sa vocation. Moi, effectivement, j'ai eu le doute à un moment donné, parce que dans cette descente, tu te demandes si tu es vraiment artiste, si tu es vraiment fait pour, si tu dois t'accrocher, si tu dois y croire, etc. Et effectivement, à un moment donné, j'ai eu les signes qui ont fait que j'ai rencontré d'autres personnes et que voilà, il y a eu un album, il y a un livre aujourd'hui, il y a un roman qui sortira bientôt. Il y a un autre album dans un autre projet de groupe. Donc oui, je suis artiste. Et je parle très sincèrement et très volontiers à qui veut l'entendre de la foi qui existe et qui peut faire beaucoup de bien à ceux qui ne l'ont pas. Ben, on aura l'occasion de reparler de vos projets et j'espère qu'ils se concrétiseront. En attendant, effectivement, pour connaître mieux votre parcours, la partie gloire, la partie, on va dire, déchéance, pour employer un mot un peu fort, et puis votre résurrection par la foi. C'est beaucoup d'alcool, une crise de foi ensuite. Ça donne sacrifié des mirages de la gloire aux merveilles de la foi. C'est signé Stéphane Dunel. Merci beaucoup. De la Renaissance. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Merci. Dernier sujet pour ce soir. À part faire leurs besoins sur les voitures et distraire les personnes âgées, les pigeons ne servent pas à grand-chose, c'est vrai. C'est pourquoi depuis quelques années, les pouvoirs publics tentent de les supprimer, ces pigeons. C'est contre cette politique d'extermination, et particulièrement celle menée par la mairie de Neuilly, que s'insurge l'association Stéphane Lamar, qui milite pour la préservation des pigeons. Les membres de cette association, soutenus par Rika Zaraï, se sont réunis cette semaine avec comme mot d'ordre « Nous ne roucoulerons devant rien ». Nous allons recevoir Stéphane Lamar
sur ce plateau, ainsi que Rika, qui vont nous parler des moyens contraceptifs plus, on va dire, plus justes qu'on peut utiliser contre les pigeons. Mais avant, Dan Bolander, qui est habitué, lui, aux prises de bec, a testé pour nous la lutte contre les pigeons. Regardez cette caméra cachée, signée Jean-Pierre Petit. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé la lutte contre les pigeons. Petit, sale bête! Vous donnez souvent du pain aux pigeons? Non, moi. Nous sommes la brigade anti-nuisible. Oui. C'est-à-dire que nous faisons disparaître tous les pigeons. Vous avez raison. Les pigeons sont nuisibles. Ah, pour tout. Parce que moi, quand je sors d'ici, je lève la tête et je fais un grand détour pour pas qu'ils, excusez-moi l'expression, qu'ils chient sur moi. Regardez ce pain, il a l'air normal. Mmh. Vous voyez? Oui. Bon, et bien ce pain est imbibé, en fait, d'un produit qui est nocif pour les pigeons. Oui. Donc ça les tue net. Ah, c'est bien trouvé, ça. Bon. Voilà. Tenez, en v'là. Vous voyez, le pigeon est en train... Non, laisse. Non, laisse. Il y a longtemps qu'on aurait dû faire ça, parce que disons, c'est pas beau, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est un pain imbibé d'un poison, en fait, qui va tuer le pigeon. Si on vous le donnait avec thé? Non, c'est pour le pigeon. Démonstration. Petit. Voilà. Et vous allez le faire crever? Bah oui. Et en votre âme et conscience? Madame, encore une fois, il y a... C'est horrible. Et on vous en laisse un peu? Pas du tout, c'est dégueulasse. Allez-y. Parfait. Parfait. Voilà, parfait. Ils vont mourir, les pigeons? Exactement. Nous sommes la brigade anti-nuisible. Oui. Donc là, vous êtes en train de nous aider, c'est parfait. Je vais les crever. Exactement. Lutte anti-pigeon, c'est marqué. Danger, oui. Ne pas avaler. Oui, oui, alors surtout, faites attention. On va vous laisser une paire de gants également. C'est pour les stériliser? Non, c'est pour les tuer. C'est pas vrai. Sur le journal qu'on a à la mairie de Paris, qu'on faisait quelque... mentionné. J'ai lu l'article. Voilà, on vous laisse un petit sachet. Voilà, voici une paire de gants. Bon, je compte sur vous pour bien distribuer le pain. On en donnera comme ça un petit peu. Voilà. J'emmène chez moi. Voilà. Après, je serai contente. Voilà. Puis mes carreaux sont plus sales. Vous aimez les pigeons vous-même? Non. Dans mon assiette, oui, mais avec du petit pois. Mais pas ceux-là. Eh oui. Ça, c'est du pain empoisonné, en fait. Hein. Donc ça va tuer le pigeon. Alors les gosses, ils vont les bouffer. S'ils voient ça par terre, ils vont dire c'est des gâteaux. Faut peut-être attention. Hein. Démonstration. Petit. Hop. Là, vous rêvez. Hein. Non, si jamais mon chien, il bouffe ça, puis qu'il crève, je vais tuer ma mère du 11e. Il y a trop de pigeons, vous savez. Mais on le sait, monsieur. Je suis né à Paris, je le sais. Bon, bah, grâce à ça... Ben, je m'en fous. Ils démerdent. Le maire, il a qu'à venir avec son fusil. Vous avez entendu la dame qui a le... La dame qui a dit cette phrase éternelle, j'aime bien les pigeons, mais avec des petits pois. Bien, il n'empêche qu'il y a quand même une association qui tend à défendre non seulement les pigeons, mais les animaux en général. Mais là, c'est les pigeons qui nous intéressent. Accueillons tout de suite cette association par la voix de son président, M. Stéphane Lamarre. Et la marraine de cette association, c'est Rika Zara. Et les voici tous les deux. Bonjour Laurent. Monsieur Lamarre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous nous aurez tout fait, Rika. Vous voilà maintenant en train de défendre les pigeons. Alors ça, alors? Je ne suis pas en train de défendre les pigeons, je suis en train de défendre la vie. Ah. Parce que je connais Stéphane Lamarre à partir du moment où il m'a écrit, il m'a demandé d'être la marraine de l'association. Mais c'était pour sauver des chats, des chiens, des chevaux, maintenant des pigeons, ça veut dire défendre la vie. Tout le monde est d'accord, et vous aussi, je crois, sur le fait qu'il y a trop de pigeons. Mais seulement vous vous dites... Pour lutter contre la surpopulation pigeonnante, on va dire, plutôt que de les tuer ou de les asphyxier ou de les étouffer, bah, essayons de trouver des moyens contraceptifs pour qu'il y en ait moins et des moyens de contraceptifs intelligents. Plus humaines. Voilà. Plus humaines. Plus humain. Enfin, humain, on ne peut pas non plus foutre une capote aux pigeons. Hein. Non, mais... Attends, t'as essayé? Non, j'ai pas essayé, mais maintenant vous me le dites. J'ai quelques tourtereaux à qui je vais distribuer des préservatifs. Vous avez raison. Non, mais sérieusement, vous pensez effectivement, vous êtes d'accord avec le fait qu'il y en a trop? Il y a 80 000 pigeons en Île-de-France, mais même qu'il y a trop de pigeons, ce n'est pas une raison pour les éliminer, pour les tuer dans des façons horribles. Mais il faut qu'ils se reproduisent moins vite. Il faut qu'ils se reproduisent moins vite et pour cela, le pigeonnier contraceptif est la solution qu'on peut mettre dans Paris. Apprenons l'abstinence aux pigeons aussi. Voilà, ou bien que les pigeons se marient et soient fidèles et pas des aventures extraordinaires. C'est dingue ça. Mais sur le fond, on est d'accord évidemment. Je pense qu'une vie de famille, c'est les pigeons. Mais... Oui, mais à ce moment, ou alors faisons des mariages homosexuels entre pigeons, au moins. Pigeons et pigeonnes. Oui, mais ils se reproduiront. Mais vous savez que la façon que les mairies procèdent, donc il y a deux sociétés
capturent en France. Au petit matin, ils appâtent pendant une semaine les pigeons. Mm-hmm. Au bout d'une semaine, ils lancent un filet justement sur les pigeons. C'est très élégant. Ce filet, oui. C'est... Et donc ils rafalent tous les pigeons. Ils sont dans des caissons, d'où on fait le vide d'air et les poumons des oiseaux éclatent au bout d'une minute 40 à 3 minutes. C'est immonde et oui. Ça coûte très cher. Il faut dire que la mairie de Neuilly utilise cette tactique. Ça, c'est l'horreur. La mairie utilisait cette méthode. Ah, c'est M. Sarkozy qui en voulait aux pigeons, alors ? Non, quand, là, maintenant, ça a changé. Oui, mais c'était M. Sarkozy. C'était avant. Même les pigeons, ils s'en occupent. Ça, alors. Où tu vas pas mettre la politique, toi ? Et bientôt, il va mettre les mecs qui conduisent trop vite dans des filets comme ça. Et ils passeront comme ça, t'es passé. Avec ça, pour crever les pneus des voitures, à la place des radars, pour qu'on roule moins vite. Il y en a partout, ça, dans les immeubles, sur les balcons. Horrible. Ça, c'est horrible. Ça, on en voit partout, ça. Pour crever les pigeons comme ça, et qu'ils meurent pendant des heures. Si, ils s'empalent là-dessus. Mais c'est pour empêcher de se poser sur le balcon, les pigeons. Mais malheureusement, monsieur, les oiseaux s'empalent dessus. Ça veut dire qu'ils sont cons ? Non, j'en ai pas eu un. D'où leur nom, pigeon. Toutes les semaines, on nous apporte des oiseaux qui ont le jagot ouvert, le jagot, qui est l'estomac également. Et les oiseaux sont pâles dessus, et c'est vraiment ignoble. Donc ce qu'on voudrait, c'est avoir des pics, vous savez, des trucs, des boules au-dessus, pour empêcher que les oiseaux se transpercent l'estomac également. Ou bien leur mettre des gilets de protection. Ouais. Ouais. En France et dans le monde entier, dans nos forêts, on avait des sangliers, on avait des loups, on avait des lapins, on avait plein de choses, et tout le monde veut exterminer à chaque fois tout pour son petit confort. Bon, alors tu es d'accord qu'il ne faut pas exterminer. Je suis désolé, mais sur cette planète, nous ne sommes pas seuls. Okay. Voilà. Il faut savoir partager. Ça nous emmerde, et on nettoie, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on irait tuer des pigeons. Je tiens à vous dire, cher Stéphane Lamar, que vous avez trouvé manifestement une excellente marraine pour votre association. J'étais l'autre jour à Venise, place Saint-Marc. Avant, on entendait les pigeons faire... L'autre jour, j'ai entendu un pigeon, il faisait « change chemise, change pantalon ». Ça se sait déjà là-bas. Ça se sait déjà là-bas. Je suis très fière. Ah ouais. Je suis très fière, si je peux... Je ne sais pas. Il y avait un pigeon place Saint-Marc faire un bain de siège, Rita. Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vu des pigeons qui dansent les casachos? Oui. Tain. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Écoutez, on trouve pas mal votre... Puis c'était l'occasion de revoir Rika, d'encourager une jeune association, de signaler le prochain concert de Rika au Stade de Colombes. Mais non. Peut-être, vous pourrez tout de même annoncer 40 spectacles cet été. 40 dates en France cet été. Oui, voilà. 40 dates avec une troupe de jeunes, des danseuses magnifiques à tomber. Voilà. Ils vont pas faire les pigeons, mais qui vont danser délicieusement bien. Pourquoi vous invitez pas des pigeons ici? On en a eu des pigeons, croyez-moi. Il y en a même un qui est passé avant vous, là. Lui, c'était pas à défense des pigeons, c'était à défense de Corneille. Bon, on reste dans les volatiles, mais quand même, voyez. Allez, vous restez 3 minutes avec nous pour le tac à finir. Claire Chazal a déclaré au journal de 20h, sur la chaîne concurrente évidemment, le scandale des prisonniers irakiens torturés n'est toujours pas... Élucidé. Dénoncé. Non. Prouvé. Non. Cherchez, parce que c'est là où est l'astuce, c'est qu'évidemment... Pour tout vous dire, c'est évidemment un mot qu'elle n'aurait pas dû utiliser. C'est un rapport avec la torture, c'est un truc. Évidemment, bien sûr, oui, donc, le scandale des prisonniers irakiens torturés n'est toujours pas... n'est toujours pas approfondi, griffé, lacéré. Ça va venir, je le sens. Ça va venir, oui, le scandale des prisonniers. Non, d'ailleurs, écarté. D'ailleurs, vous dénoncez ça contre les pigeons aussi. Traité, pas toujours... Non, quand ils sont... Il n'est toujours pas mort. Non, non. Et toujours pas. Si je fais ça, Ricard. Étouffé. Bravo, bonne réponse d'Annie Lemoine et de Ricard Zaraï. Et toujours pas étouffé. Yannick Noah, grand chanteur maintenant, grand joueur de tennis avant, il s'intéresse toujours au tennis et il parle d'un jeune tennisman qui a 18 ans. On porte beaucoup d'espoir sur ce jeune français qui s'appelle Richard Gasquet, mais qui a quelques difficultés en ce moment. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Yannick? Qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil ce matin dans le journal? Il lui dit: Richard Gasquet, j'ai envie de lui dire, prends ta raquette et va... T'entraîner. Au diable. Non. T'entraîner. Non. Prier. T'amuser. Comment? T'amuser. Va voir les filles. Va voir les filles. Va t'amuser avec les filles. Bravo, Stevie. Bravo, Jean-Bendigui.
merde, de quoi je me mêle. Il n'a pas tort, il lui dit, il ne faut pas s'intéresser qu'au tennis. À 18 ans, il faut s'amuser dans la vie, il faut continuer à... Ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser tous les sens. En revanche, les pigeons, pas trop, hein, les pigeons. Voilà. Dave, j'allais dire un concurrent. Non, un confrère, un ami. Il dit, une vedette qui décline, c'est toujours... L'amour qui meurt, c'est toujours triste. Non. C'est comme un soleil couchant, c'est toujours émouvant. Non. Vous savez ? Oui, je sais. Allez-y. C'est comme un cocu, on est toujours le dernier à la prendre, un truc comme ça, non ? Exactement. Une vedette qui décline, c'est comme un cocu, c'est toujours le dernier à s'en rendre compte. C'est une très belle. C'est une très belle phrase. C'est très intelligent. Je n'aurais pas dit ça. Ah ben, il y a toujours le mot qu'il faut. Hein. Ah oui, je sais. Ah oui ? Je sais. Mais je crois que bien que les vedettes doivent le savoir, tout seul. C'est pas comme les cocus, non. On doit le savoir. Si on est un peu lucide, on le sait. Oui. Et les cocus aussi, d'ailleurs, on peut aussi le savoir. Non. Ils savent peut-être, mais ils feignent de ne pas savoir. Voilà. Merci à Stéphane Lamarre, à son association pour la défense des animaux, et à Ricardo Zara. Et à demain.